Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera où je vais me maquiller pour Noël, un maquillage de Noël ou de fête pour le 31 décembre ou maquillage de fête. Donc je me suis dit pourquoi pas me maquiller avec cette palette là de Beauty Bay. C'était une collaboration, donc je me suis dit je vais la tester vu que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je me suis dit tiens, je vais la tester et hop, elle est comme ceci. Elle est magnifique. Franchement, il y a des couleurs de fête. Hein. Il y a des couleurs nude, des couleurs bien irisées, pailletées. Donc, je me suis dit, allez, on va tester celle-ci. Donc, bah, c'est parti. On va bien se maquiller. On va papoter. Donc, voilà. C'est parti. Bon, pour commencer, je vais mettre ma petite crème, on va dire hydratante de chez Sephora. C'est la première fois que je l'utilise. Vu que j'ai fini la mienne, donc là c'est une crème hydratante mais en même temps lissante. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être bien aussi pour un maquillage, pour une base de maquillage. Donc je vais en prendre un tout petit peu, hop, sur mes doigts. Déjà ça sent bon, ça sent la même odeur que mon ancienne crème. Comment vous allez-vous? Moi ben, ça va. On fait comme on peut hein, pour bien aller. Hein, voilà. Voilà. Donc ma crème est mise. Maintenant c'est parti pour le maquillage des yeux. Donc l'anticerne de chez Max Elmore que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Et je vais l'estomper. Hop, on en met partout. Comme ça, ça fait une paupière belle. Donc, ensuite, nous allons nous maquiller avec cette belle palette. Hein. Je sais qu'elle m'a l'air pigmentée, bien qu'au swatch. Moi, je pense savoir quoi utiliser comme make-up. Donc, ouais. Je sais pas, j'hésite. J'hésite entre cette teinte-là et cette teinte-là. Donc, on va swatcher. Déjà, quand tu swatches tellement crémeux, c'est celui-là. Vous voyez, il se ressemble un peu quand même. Hein. Donc, on va... Oh, c'est tellement beau. Franchement, les deux sont magnifiques. Voilà, ça fait vraiment teinte. Teinte de Noël, vraiment. Ça fait... vraiment très très joli. Donc c'est parti, assez blablatage, c'est parti. Donc je vais me maquiller, je vais accélérer la vidéo pour vous montrer les teintes que je vais prendre.
Donc, je reviens comme ça avec vous pour parler. Du coup, j'ai oublié de faire mes sourcils. Donc, on va faire mes sourcils. On va mettre le mascara. Les sourcils, ne regardez pas. Je vais y aller pour Noël. Me les faire épiler. Donc, voilà. Là, je vais faire pas mal de vidéos aujourd'hui pour des vidéos Noël pour le mois de décembre. Car je m'avance au mois de décembre. Pour les vidéos, là je filme, nous sommes bientôt le 1er décembre, donc comme je disais, je m'avance, hein. Voilà, on est dans quelques jours, nous sommes le 1er décembre, donc je m'avance pour faire des vidéos de Noël pour le mois de décembre. Donc cette année, je ne ferai pas de vlogmas, je les ai fait l'année dernière, et cette année, je ne ferai pas de vlogmas, je ferai des vidéos, mais j'en ferai 3 la semaine et vous en aurez 2 le week-end. Donc une vidéo le samedi, une vidéo le samedi, une vidéo le dimanche. Et dans la semaine, je sais pas quel jour, mais je sais que vous en aurez 3. Donc voilà. Et puis voilà, je ne ferai pas de vlogmas, vous aurez que des vidéos. À moins que je vlogue une ou deux fois comme ça au mois de décembre, mais je sais pas. Pour l'instant, je vous promets rien. C'est sûr que vous aurez des vidéos, plus de vidéos pour le mois de décembre, pour Noël. Voilà. Ensuite, du coup, je vous ai même pas dit, mais j'ai mis mon petit produit à sourcils de chez Benefit. Ensuite, je vais mettre mon petit crayon noir dans la muqueuse de chez Kiko. Donc oui, moi je mets comme ça. Il y en a qui le mettent comme ils veulent, mais moi, je le mets comme ceci. Donc je vous dirai à la fin ce que je pense de mon make-up. Ensuite, en mascara, ça je vais le mettre hors caméra, mais le mascara, je mets ce mascara-là de chez L'Oréal. Donc, c'est parti. Et on se rejoint pour mettre le rouge à lèvres. Donc, on se retrouve pomponné, habillé pour les fêtes de Noël. Donc, je vais vous parler de tous les produits que je me suis servi en vidéo. Donc, je vous montre mon make-up de plus près, comment il est. Franchement, il est bien, bien joli. L'highlighter est là pour Noël. Les petites boucles viennent de chez Action. Donc c'est parti. Le haut, si vous le trouvez joli, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté à Kiabi, donc je pense pas que vous pouvez le revoir. Petite tenue de Noël. Je mets toujours ce petit. À la base, c'est une petite barrette pour les petites filles. Mais moi, je l'ai détournée pour mettre sur mes vêtements. Et je l'ai acheté à Action il y a au moins 2-3 ans. Donc à chaque fois que je fais Noël, je mets toujours mon petit Père Noël ici. Voilà, on va parler du make-up. Donc le make-up, on va parler du teint. Le teint, il est très joli. Donc c'est 3 produits qui viennent de chez Kiko. Donc l'highlighter de l'ancienne collection de l'année dernière. Le blush de l'année dernière aussi, collection de l'année dernière de Noël. Ça c'est une collection il y a 2 ans, une collection de Kiko il y a 2 ans. Donc c'était une collection d'été. Donc franchement, les produits teints de chez Kiko, moi j'aime beaucoup. Ensuite, la petite crème de chez Sephora. Top, j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres. Bah, c'est un joli rouge à lèvres rouge hein, de chez Huda Beauty, comme je vous ai dit. Le crayon et le rouge à lèvres mat, parce qu'il est mat. Le mascara Maybelline. Maybelline. L'Oréal, franchement, il est très 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 joli. Ça me fait des jolis cils. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Benefit, valeur sûre pour les sourcils. Le concealer de chez Action, top top. Donc jusqu'à là, j'aime tout. La palette, franchement, vous voyez mon petit make-up comment il est joli. Ça fait, il est bien lumineux et ça fait un beau petit make-up de Noël. Donc, je vous remontre la palette. Donc, je vais vous expliquer. J'ai utilisé ce fard-là pour matifier ma paupière vu que j'avais mis du concealer. Ensuite, j'ai pris ces deux teintes-là. Je les ai mélangées, ces deux teintes-là et là. Et ensuite, j'ai mis en premier ce fard irisé-là. Et après, en deuxième, j'ai mis ce fard irisé-là. Franchement, la palette est très très bien. Vous pouvez la retrouver sur Beauty Bay si elle y est encore. Je ne sais pas si elle est encore, mais moi je l'ai vue il n'y a pas longtemps, elle était encore. Elle était en promo. Donc voilà.
Donc à l'heure où je filme, je vous dis, je filme bientôt début décembre, mais est-ce qu'il y a encore, je ne sais pas. Bref, pour vous dire que voilà le petit make-up de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et je vous fais des bisous. Voilà pour ce petit make-up. Allez, bisous, bisous!